Bonjour, bienvenue à Boréalis. Je m'appelle Émilie Papillon. Je suis responsable des expositions ici à Boréalis et à Culture Trois-Rivières. Dans le fond, Boréalis, c'est une ancienne usine de filtration d'eau qui appartenait à la Canadian International Paper, qui était la plus grande usine au monde au moment de sa construction. Elle a été construite en 1920 et a fermé ses portes en 2000, a été démolie en 2006. Et Boréalis, c'est vraiment la dernière chose qui reste de toute l'immensité de la CIP. Ici, dans le fond, on a voulu faire un musée pour parler justement de l'importance des pâtes et papiers. Si vous ne le saviez pas, il y avait 4 usines de pâtes et papiers sur le territoire de Trois-Rivières. Et aujourd'hui, encore 2 d'entre elles sont actives, c'est-à-dire la Wayagamack, qui est juste de l'autre côté de la rivière Saint-Maurice, sur l'île de la Poterie, et plus du côté du pont La Violette, vous avez Kruger, qui est là et qui est toujours en fonction. Ici, à Boréalis, vous avez présentement 3 parcours que vous pouvez faire avec votre téléphone intelligent et vos écouteurs. Vous avez tout d'abord Cindy, qui est guide touristique, qui vous explique un peu de A à Z le parcours de la bille de bois pour devenir du papier. Vous avez Baptiste, qui est l'ouvrier journalier de la CIP, je vous dirais plus dans les années 50, qui est évidemment incarné par un comédien. Et vous avez Denis Fortin, qui est un retraité de la Wayagamack, qui vous présente un peu plus comment ça se passe actuellement dans les usines, comment ça a évolué à travers ces années de travail. Donc, je vous invite à m'accompagner pour découvrir des petits extraits de ces parcours-là. Si vous choisissez de suivre Cindy, la guide touristique, vous allez entendre parler donc des différents éléments qui vont nous permettre de faire le papier, dont la machine que vous avez juste ici. Évidemment, c'est une machine école, hein? C'est pas une vraie machine, une machine industrielle. On parle d'une grandeur d'un terrain de football à peu près. Donc, cette machine-là, elle était utilisée pour les étudiants, mais elle comportait tous les mêmes éléments qu'on retrouve sur une machine à l'époque. Il faut penser qu'aujourd'hui, les machines, tout est contrôlé par ordinateur. On a vraiment un contrôle total sur la machine, alors qu'ici, les ajustements étaient plus manuels. Donc, on commence par le tablier de formation, où on forme la feuille avec une solution de pâte qui est 99 % d'eau pour un seul % de fibre de bois. Et on passe du côté des presses. En passant dans les presses, si vous voulez écouter ce que Cindy a à dire sur les feutres qu'on utilisait pour enlever l'eau. Les feutres de la machine à papier devaient être remplacés périodiquement pour assurer le bon fonctionnement de la machine. Mais ils connaissaient souvent une deuxième vie, puisqu'autrefois, l'étoffe épaisse était récupérée par des ouvriers pour en faire des couvertures ou des vêtements chauds. Cette pratique a d'ailleurs été évoquée dans un épisode du populaire téléroman québécois « Les filles de Caleb ». Ovila allait repêcher les couvertures de la Belgo à la rivière pour qu'Émilie confectionne des vêtements à leurs enfants. Vous en souvenez-vous? Une fois que les feutres ont été utilisés, on passe du côté de la sécherie. Dans la sécherie, c'est des cylindres qui sont chauffés à la vapeur, qui vont vraiment venir servir un peu comme un séchoir. On vient enlever le surplus d'eau avec cette chaleur-là. C'est d'ailleurs la majorité de la fumée que vous pouvez voir sortir des cheminées des usines de papier. C'est des gros nuages de vapeur. Il fait très, très chaud et les travailleurs devaient faire très attention quand ils travaillaient autour de la machine. Certains travaillaient nu-pieds en camisole, mais ça, c'est bien avant la venue de la CNESST. Donc, en suivant Cindy, vous pouvez voir tous ces petits aspects-là. On se concentre vraiment plus sur les faits, l'histoire des billes de bois, des hommes, comment ils l'ont vécu, comment les travailleurs se débrouillaient, autant à l'usine qu'à la maison. Mais on n'est pas vraiment dans le très, très spécifique. Donc, des anecdotes que vous pourrez voir avec nos autres travailleurs. Donc, je vous invite, on va aller voir maintenant Baptiste. Décidez de suivre Baptiste Leblanc.
Vous allez apprendre un petit peu plus comment ça fonctionnait au niveau des accidents de travail. Dans le fond, Baptiste Leblanc, c'est un ouvrier journalier de la CIP dans les années 50, je vous dirais. Il est donc incarné par un comédien. Et lui va vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on a trouvé ici comme accident de travail et comment les éviter surtout. Bon, pour votre sécurité, une des affaires que vous avez besoin de savoir, c'est que tous les hommes de métier ici ont un cadenas avec eux autres. Le cadenas, c'est bien simple. C'est tu viens cadenasser l'arrivée d'électricité que tu as fermée pendant que tu es en train de faire l'entretien d'une machine. Tu viens cadenasser, dans le fond, les tuyaux qui amènent de la steam, de la vapeur jusque dans la machine. Tu viens cadenasser tout ça pour t'assurer, justement, que pendant que tu es en train de faire l'entretien dans la machine, ceux sur le dehors comprennent qu'il se passe quelque chose en dedans. Hein? Fait que là, bien, ça veut dire que pendant que nous autres, on est dans la machine, alors qu'on pense que tout est cadenassé et qu'il n'est pas supposé rien se passer, bien, imaginez-vous donc, mes bonnes gens, que le courant commençait à rentrer, mais pas de par la même place que d'habitude. Fait que la machine, elle s'est activée. Fait que comme la machine s'est activée, la steam est rentrée dans le tuyau. Puis là, bien, tu sais, le petit clapet qui est sur le bout, là, il est bien pratique, là, mais... Avec le cadenas, ça faisait quand même un jour, parce que ça ne ferme pas étanche, étanche, ces clapas-là. Fait qu'à partir de ce moment-là, la steam qui sort habituellement de par le gros tuyau avec son 175 livres de pression à la grandeur du tuyau, là, bien là, sortant là, par les petites fentes, là. Mais bonne chance, fiez-vous sur moi, vous avez jamais vu deux gars avoir peur de même. On est sorti de là, bien... un peu ébouillanté, on va se le dire, là, c'est quand même de la steam. Ouais, un peu ébouillanté, on est sorti de là, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait. De par le temps qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé, on a expliqué ça au foreman, puis à partir de ce moment-là, ils ont décidé qu'à partir de maintenant, dans l'usine, quand on travaillait sur quelque chose, puis que, tu sais, mettons un tuyau, puis qu'il y avait un clapet dessus, là, bien, plutôt que de rien cadenasser le clapet en question, on venait d'y mettre bien, une espèce de socket, là, si vous voulez. Là, c'est une borure mécanique qui vient faire le bout du tuyau grand complet, fait que de même, peu importe comment est-ce que la steam va pousser en arrière, ça ne sortira pas. Puis, puis à cette heure, on barre toutes les entrées d'électricité. Donc, vous voyez, c'était pas toujours facile de travailler en usine, puis il fallait faire très attention. Mais ça l'a beaucoup changé avec le temps. Donc, on peut maintenant aller voir Denis, voir un peu comment ça fonctionne aujourd'hui, dans les dernières années, comment ça l'a évolué. Donc, on va aller voir Denis. Décider de suivre Denis Fortin, vous allez voir, c'est tout qu'un raconteur. Dans le fond, Denis, c'est un retraité de la Wayagamack. Donc, vous avez vraiment un parcours qui est authentique. Il vous parle de son expérience personnelle dans les pâtes et papiers comme dans les quartiers ouvriers, que sa vie était rythmée par la cloche de l'usine qui sonnait. Et vous allez voir, il faisait tout qu'un Père Noël dans les loisirs. L'usine Wayagamack, ça s'appelait l'AAEW, l'Association athlétique des employés de la Wayagamack. Ces gens-là, c'était toute une joyeuse bande de gros bedonnants qui allaient à la pêche, qui allaient à la chasse, qui partaient souvent avec plus de caisses de bière que d'hameçon. Et puis, mais c'était vraiment l'endroit où ce que les gens se réunissent, que les travailleurs qui vivent à la même réalité sont ensemble. Une fois ou deux par année, il y avait des petits tournois de golf, tournois de balles de nez, de pétanque, ces choses-là qui faisaient en sorte que les travailleurs se réunissaient avec leur famille et puis étaient capables de faire un party. Puis, si toi, tu étais de garde puis que tu ne pouvais pas aller à cette fête-là, le bonheur, c'est que si tu avais un bris sur la machine, tu savais où étaient tous tes mécaniciens, tu étais capable de retourner là-bas, bonhomme à l'âne, d'en ramasser deux, trois qui avaient plus besoin d'argent que les autres, puis de les rentrer à l'usine, leur fête était déjà finie. Mais c'était comme ça. Les clubs sociaux ont toujours existé. Vous voyez mon profil, mais c'était moi le Père Noël pour les enfants dans le temps des fêtes. J'avais quelques artifices, peut-être un petit peu de barbe, de cheveux, une bedaine, surtout des bottes à cap d'acier parce que les enfants m'embarquaient ses pieds. Puis quand on a 1000 employés, il y a potentiellement au moins 1000 enfants qui vont embarquer sur mes bottines. Donc, c'était ça, la vie sociale des usines. La
Lors de votre visite à Borealis, n'oubliez pas de venir visiter la prise d'eau, si la température le permet. Dans le fond, la prise d'eau, c'est un bâtiment qui est situé dans la rivière et on voit vraiment la rencontre entre la rivière Saint-Maurice et le fleuve Saint-Laurent. C'est un coup d'œil qui vaut vraiment la peine de venir voir. Et dans le fond, cette bâtisse-là, elle a été faite pour l'usine de filtration d'eau de la CIP. Et c'est une préfiltration qui a lieu ici. Et dans le fond, cette partie-là, c'est vraiment pour empêcher les plus gros débris de rentrer dans l'usine, de briser les pompes. On parle de roches, de feuilles, de branches, mais la filtration en tant que telle va vraiment se faire dans l'usine. Un des endroits exceptionnels de Borealis, c'est l'ancien réservoir d'eau. Dans le fond, on se trouve présentement à l'intérieur. C'est ce qui va terminer votre visite à Borealis. Et vous allez voir, c'est vraiment une ambiance unique. Ici, dans le fond, était stockée toute l'eau propre qu'on a besoin pour faire le papier. Dans le fond, tous les autres besoins de l'usine, l'arrosage des piles de bois, la sécurité incendie, ce genre de choses-là vont vraiment être utilisés par d'autres pompes. Ici, tout ce qui est dans le réservoir, ça sert vraiment à la fabrication du papier, donc à créer 99 % d'eau pour 1 % de fibres de bois. Et tout ce réservoir-là, aujourd'hui, est très bien conservé. Vous allez pouvoir voir toutes ces méthodes de construction qui étaient toutes en bois. On coule le béton par la suite. Vous pouvez voir l'épaisseur des murs, la forme d'arche. Tout ça était de l'ingénierie pour vraiment faciliter la circulation de l'eau. Borealis, mais vous trouvez qu'il fait beaucoup trop beau pour venir à l'intérieur visiter le musée, bien, Borealis a quelque chose pour vous. C'est Premier Chiffre. Premier Chiffre est un parcours urbain, donc vous êtes en extérieur. C'est une marche d'à peu près 2 km, soit à peu près 50 minutes, et vous vous laissez porter au rythme des anecdotes des travailleurs. Dans le fond, vous êtes un nouvel employé de la CIP et, bien, évidemment, comme vous êtes nouveau, on va vous présenter tous les départements. Vous allez écouter et rencontrer des travailleurs de ces départements-là. Puis, comme vous travaillez à l'usine, vous allez sûrement habiter dans le quartier. Donc, on fait un petit tour aussi dans le quartier, voir comment la vie se développait dans ces quartiers-là. Moi, c'est René. Je travaille au département électrique. Le boss m'a demandé de te faire visiter l'usine puis le quartier pour ton premier chiffre. Là, on se retrouve à l'extérieur. Là, on est derrière l'usine. Et à ta droite, tu vois la rivière Saint-Maurice? As-tu remarqué tous les billots de bois qui flottent dessus? Le bois s'en vient jusqu'ici par la drave. Ensuite, on fait le tri, puis nos cordeurs l'entreposent en immense pile pour alimenter la production de papier toute l'année. C'est là que tu vas commencer pour tes premiers chiffres. Alors, j'espère que tout ce que vous avez entendu et vu aujourd'hui vous a plu. Je vous invite évidemment à venir faire tous les parcours, à venir visiter Borealis. Sachez qu'on est ouvert à l'année. Vous pouvez connaître nos heures d'ouverture sur notre site Internet. N'hésitez pas à nous appeler, à réserver votre visite. On est toujours content de vous accueillir. À bientôt! TV. Ensemble pour notre communauté.